Politicien de métier, Politikalsberuf. Dieses Jahr gab es sowohl in Frankreich als auch in Deutschland Wahlen. In Frankreich wurde Macron zum Präsidenten gewählt und in Deutschland ist Angela Merkel wieder die Bundeskanzlerin geworden. Le peuple a souvent le sentiment que les politiciens ont plein de privilèges. Cependant, ces privilèges sont justifiés par l'indépendance qui leur est due. C'est pour cette raison qu'une importante somme d'argent leur est donnée, mais également le droit de voyager de manière illimitée et gratuite. Selon le docteur Serge Ambacher du BEE, le Réseau fédéral pour la citoyenneté, pour que la démocratie fonctionne correctement, le député doit être bien payé. Cela afin qu'il ne soit pas tenté par la corruption ou ne cède aux différents lobbies. La somme évoquée par le chercheur est de 10 000 euros par député afin de garantir son impartialité au service de tous les citoyens. Selon notre expert, la vie que mènent les élus qui ont un deuxième job est humainement impossible. En effet, le job de représentant du peuple demande un tel engagement qu'un investissement à plein temps est devenu indispensable. Ils ne peuvent donc pas légitimement faire leur travail comme ils l'entendent, autrement dit, bien. Par conséquent, nous assistons à une professionnalisation du milieu. Eine verpflichtende politische Bildung ist nicht möglich, da man dadurch viele soziale Gruppen in der Politik ausschließen würde. Dadurch würde die fehlende Repräsentation vieler Bevölkerungsgruppen verstärkt werden. Als Politiker muss man jedoch komplexe Zusammenhänge verstehen und ein großes Allgemeinwissen haben. Damit die Entfremdung der Politiker nicht zu groß wird, müssen sich die Bürger engagieren, um die Politiker auf eine Weise zu kontrollieren und die Demokratie erst möglich zu machen. Pour conclure, on peut dire qu'on a intégré le peuple dans la démocratie pour trouver le bien commun, mais les études et la compréhension du peuple sont aussi importantes. De plus, l'argent joue aussi un grand rôle dans la démocratie.